Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve à Saint-Gervais-Mont-Blanc et j'aimerais vous parler pendant cette petite descente qui est relativement calme d'un magasin. Ben, c'est un copain, il fait des sorties en trottinette, ça s'appelle Tout le monde en trottinette. Vous pouvez louer les trottinettes avec lui, il vous fera découvrir un magnifique paysage autour du Mont-Blanc ou alors une sortie dégustation avec un passage dans un restaurant. Et c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. En plus, les trottinettes ont des pneus en 2,80 ou 3. Donc ça fait vraiment des gros pneus, bien plus épais que les miens. Merde, j'ai pas le moteur, c'est dur. Ça fait des pneus cette largeur là. Et du coup, c'est très confortable et c'est vraiment très fun. Donc ça s'appelle Tout le monde en trottinette. Vous pouvez retrouver son magasin, il est à côté du télécabine de Saint-Gervais. Et voilà, et je vous invite à aller voir. Je sais qu'il loue des vélos aussi. Et voilà, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir directement son site internet, son numéro de téléphone et tout. Voilà. Et en ce moment, il fait super beau, donc ça vaut vraiment le coup de partir se promener. C'est vraiment chouette. Bon, aujourd'hui, je suis pas en forme. Alors, je vais faire une descente du côté de Megève. Et je vais descendre côté Megève. Et je rentrerai à Saint-Gervais par les chemins, tranquillement. Voilà. Faire un truc cool. Là, je vous montre la vue. La vue est vraiment belle. Hein. Donc là, on est au télécabine de Megève. C'est dingue, maintenant, ils sont obligés de mettre des panneaux attention VTT et piétons. Je trouve ça dommage parce que normalement, si tout le monde est respectueux, il n'y a pas de problème. Enfin bon. Là, on a une jolie fraise et une lame de dameuse. C'est dommage, il n'y a pas la dameuse, sinon je vous l'aurais montré. Ça fait vachement longtemps. J'ai pris ce chemin avec des copains il n'y a pas longtemps. Mais on est sorti là à droite à la prochaine intersection. Et là aujourd'hui on va aller tout droit. C'est vraiment joli ce chemin avec toutes les fleurs. C'est vraiment très chouette. Je crois que ce chemin, en toute honnêteté, ça fait bien 2 ans que je ne l'ai pas pris. Bon, c'est un chemin 4x4, hein, mais et voilà, moi j'aime bien. Ça change, je vais regarder le panneau. Megève par les Pétoraux. Eh ben, écoutez, on va tenter Megève par les Pétoraux, je ne connais pas du tout. On va aller voir ce que ça donne. On va découvrir ça ensemble. Là, on peut déjà voir le paysage à gauche, là. C'est vraiment très très beau. Ça se coule. Alors, tout droit. D'accord. Alors, en fait, on va peut-être prendre la piste de ski apparemment. Enfin, je connais pas ce chemin. Ouais, c'est là.
Je vais aller voir si le chemin tourne à gauche dans le bois. Sinon, bah, je vais pas prendre le chemin parce que je sais où je vais me retrouver. Ouais, ça va dans le bois. Ah, tant pis. C'est pas grave. On va remonter et on va continuer le chemin. En fait, ce chemin, c'est une piste rouge ou noire, je sais plus. Noire, je crois. Et on va se retrouver vers la Princesse. Donc vraiment en bas de Megève. Et moi, je voudrais aller par le chemin là. Ça me permettra d'aller... on sera sur le Mont d'Arbois. Et du Mont d'Arbois, on repiquera sur Megève. Vous voyez, quand on voit les ancrages des dameuses comme ça, c'est que la piste, elle est raide. Et là, tu te dis, c'est vraiment cool d'avoir un VTT à eux. Parce que là, tu remontes tranquillement, sans forcer. Quand t'es pas en forme, comme moi aujourd'hui, tu sais que t'auras pas besoin de beaucoup de batterie. Alors tu mets le moteur à fond, tu te poses pas de questions, et t'y vas cool. Au moins, vous aurez vu de la descente et de la montée. Bonjour. Merci. Voilà. Comme vous voyez, ça descend pas mal. Pas arriver trop vite, sinon le virage là on le passe pas. Là j'ai changé mon disque de frein à l'arrière, ça fait une grosse différence, hein. Ça freine vachement mieux. Ça change. Bonjour, je suis tout seul, merci. Wouhou! Ah c'est cool. C'est trop cool. On va ralentir un peu. Là, on va prendre le chemin qui est à droite. Là, il est vraiment sympa. C'est combien de temps? 7 minutes 47. Eh ben, les amis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.